Good morgen, allez, il y a des choses pour aujourd'hui, les Lunishmat, Abraham Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Richard Aaron Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Matester, si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude, nous m'échappons à contacter les 5 minutes éternelles. Nous étudions, Mazal Fritna, Périgud, Alef, Mishnah, Gimel, Nohra, Ktuvata, Omiktsata, Mishkena, Ktuvata, Omiktsata, Natna, Ktuvata, Leacher, Omiktsata, Lotim, Koret, Hashéar, Ella, Bebet, Din, Vachachamim, Omrim, Bocheret, Hi, Afilu, Arba, Vechamisha, Pamim, ou Bocheret, Limzonot, שלא בבית דין, וכותבת למזונות מחרתי. וגרושה לא תמכור, אלא בבית דין. Une Mishnah qui vient continuer directement la Mishnah précédente, c'est un peu la suite logique, conséquence réciproque, on est comme vous voulez, de la Mishnah précédente. Je rappelle d'abord deux points. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, il s'engage qu'en cas de divorce ou si elle devient veuve, qu'elle lui prendra une certaine somme de ses biens, mais parce que la femme n'hérite pas de son mari. C'est les héritiers qui héritent du mari. Ça peut être ses enfants, d'une autre femme, de cette femme, ça peut être ses frères, si elle n'a pas de... Mais jamais la femme elle hérite. Mais, en contrepartie, le mari s'engage qu'en cas de séparation, il doit lui donner une certaine somme, en l'occurrence, la mort sous une séparation. Maintenant, on va dire par exemple, il s'est engagé de lui donner 200 000 euros, francs, comme vous voulez, bref. D'accord, 200 000. Maintenant, la femme qui devient veuve, elle peut, si elle veut, tant qu'elle décide de rester la veuve de son mari, elle continue à vivre d'une certaine manière, comme si son mari était encore vivant. Elle vit dans sa maison, elle est nourrie par les biens de son mari, et c'est pas déduit pour le moment de sa ktouba. D'accord? Ouais, c'est un peu le principe, c'est vraiment comme ça, quoi. Elle est la veuve de Réhouven, elle reste la veuve de Réhouven, Réhouven continue à la nourrir. On a appris dans la Mishnah précédente, que dans ce cas-là, elle travaille, ça lui donne son argent aux Yétomim, aux héritiers. En contrepartie, eux, ils la nourrissent avec les biens qu'elle a. Et elle continue à vivre dans la maison de son mari, comme il lui écrit « At te'e yadva beveiti ou mitzanan menechasai »« At de tilakrun tchetinasi l'acher » Que toi, tu seras assise dans ma maison, et tu seras nourrie de mes biens jusqu'à ce que tu décides d'aller te marier. Le jour où elle décide d'aller se marier, alors, elle prend maintenant... Sa ktouba, elle réclame qu'on lui donne les 200 000, elle prend sa ktouba, elle leur dit « Salut, je vais refaire ma vie. » Ok? Il y a toutes sortes de discussions dans la Gemara, à partir de quand la femme, ça s'appelle qu'elle est plus la veuve de son mari. Est-ce que si elle a connu quelqu'un d'autre? Est-ce que si elle se maquille pour aller rencontrer quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'elle doit concrètement se marier? Il y a trois amis dans la Gemara. Et je ne sais pas comment c'est retenu pour l'achat. Si, la pour l'achat, c'est retenu jusqu'à qu'elle aille se marier concrètement. D'accord? Donc pour le moment, elle touche pour le moment là, les maisonnotes de son mari. La problématique de la Mishnayot, c'est de savoir, est-ce que pour vendre les biens, est-ce qu'elle doit partir au Bet Din? On avait vu une marloquette. Tout d'abord, pour vendre, pour pouvoir se nourrir, tant qu'elle est la veuve de Réhouven, elle ne veut pas refaire sa vie, elle est là, elle attend pour les maisonnotes. D'après tous les avis, elle n'a pas besoin de partir se casser la tête au Bet Din, qu'on lui dise mon mari l'a laissé, il avait des tels biens, vendez-le parce que j'ai besoin de me. Elle est en train de mourir de faim, la pauvre, qu'on lui donne vite à manger, il n'est pas question de la faire attendre. D'accord? C'est un droit qu'elle a. On a vu, cependant, si elle doit récupérer les fameux 200 000 de la Ktouba, qui sont le Ikar Ktouba de Bené Mataïm, plus la Tosefet Ktouba, alors on avait vu une marloquette sur ça entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon a dit, ah non, si tu veux prendre toute la Ktouba, là il faut que tu ailles au Beddin, il y a une procédure. Et Chachamim, ils ont dit, non, un Adam Rote Shetidwaze Ishto. Un homme, quand il se marie, il est tellement, il choix tellement, je ne sais pas comment dire, mais Khabev, sa femme, tellement, il la choix tellement, qu'il s'engage à ce qu'elle prenne ce qui lui revient, sans qu'elle ait besoin de se rabaisser, de partir au Bedin pour se battre et récupérer son argent. Partir au Bedin, ce n'est pas grave, c'est partir au tribunal. D'accord? Donc, en fait, il a donné le droit à plein pouvoir qu'elle pourra vendre les biens. Comme ça, c'est inclus. On va voir sur ça deux points dans notre Mishnah. La première partie, d'abord, ça va être de nouveau en rapport avec la Machloket Rabbi Shimon et Chachamim. C'est plus tellement précisé, mais c'est comme ça que c'est expliqué. Une situation où la femme, elle vend une part de sa ktouba. Elle peut la vendre, elle peut la donner en saisie à quelqu'un d'autre, elle peut en faire cadeau à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on a ici la veuve de Réhouven. Elle est là, pour le moment, elle reçoit les maisonnotes. Après, ce qu'elle a fait, cette femme, c'est qu'en théorie, Réhouven, il avait dit qu'il allait lui donner 200 000. Elle devait récupérer 200 000 le jour où elle décide de prendre la Ktouba et de quitter le,
ne plus être la veuve de Réhouven, qui est de partir faire sa vie, elle devait récupérer 200 000. Ce qu'elle a fait, elle, c'est, on va dire, on va prendre un cas, un exemple, elle a donné 50 000 à quelqu'un d'autre. Elle avait sa nièce qui devait se marier, qui avait pas un rond en poche. Elle a dit, allez, je te fais cadeau de Maktouba que je vais recevoir, 50 000. Ce qui se passe, c'est que en faisant ça, dès qu'elle prend, ça s'appelle qu'elle a déjà pris un petit peu de Saktouba. Dès qu'elle prend un petit peu de Saktouba, alors il y a une certaine discussion. Le premier avis de la Mishnah, il pense qu'elle ne reçoit plus les mesonotes. Elle a commencé à prendre la Ktouba. Et si elle ne reçoit plus la Ktouba, alors elle ne pourra plus récupérer. Elle ne pourra plus maintenant, elle devra nécessairement récupérer les 150 000 restants et quitter la maison de son défunt mari pour aller vivre toute seule. Et en plus de ça, elle ne pourra même plus vendre la suite sans Beth Din. Et cet avis-là, c'est Rabbi Shimon. D'accord? Et Chachamim, ils disent non, il n'y a aucun problème. Elle peut encore continuer. Elle continue à récupérer ses maisonnotes. Il y a deux, Chachamim sont tranquilles sur deux points. Ils nous disent que d'abord, si elle a pris juste qu'une petite part de sa somme, elle doit recevoir les maisonnotes. Et de toute façon, elle peut toujours continuer à vendre sans se concerter, sans aller au Beth Din. Parce qu'elle a un plein pouvoir pour récupérer tout son argent, son Beth Din, d'accord? On fait ça d'abord dans les mots, et après on passe à la deuxième partie de la Mishnah. Vous avez compris l'idée? C'est très simple. C'est-à-dire qu'en deux mots, la femme, une femme qui vend une partie de sa Ktouba, qui la donne, qui fait cadeau, qui la vend, peu importe, ça va être précisé de plusieurs manières, mais c'est le même principe, elle se sépare d'une partie, elle commence à prendre une part de sa Ktouba. Dès qu'elle prend une part de sa Ktouba, selon Rabbi Shimon, c'est fini, elle ne reçoit plus les mesonotes. Elle doit recevoir que ça, maintenant, la dot, concrètement, qu'on doit lui rendre, les 200 000. Et maintenant, elle n'a même plus le droit de vendre son Beth Din. C'est très extrémiste. C'est Rabbi Shimon qui le pense. Chachamim nous disent non, aucun problème. Elle continue à vendre maintenant son Beth Din, elle continue à prendre les mesonotes et à vendre son Beth Din. Concrètement, ça va être exprimé de trois manières. Je vous ai introduit d'abord, très rapidement, vous rappeler que quand on s'engage à écrire une Ktouva, il y a le minimum imposé par Chachamim, 212. Et en plus de ça, il y a une tosse faite que chacun il rajoute pour sa femme, combien elle était riche, combien il a voulu la choyer, combien il a voulu lui donner de la valoriser en plus. Et ça, c'est la tosse faite Ktouba. Sur ça, la Mishnah, elle va me prendre à chaque fois plusieurs cas. On commence avec Mahra Ktouba. Elle a vendu sa Ktouba, c'est-à-dire les 212. Au Mixata, même une partie des 212. Et donc, elle a encore toute une partie à récupérer, qui peut être le complément jusqu'au 200 plus. En plus, arrive jusqu'à la Tosefet Ktouba. Ou encore, Mishkena Ktoubata Omiksata. Ce qu'elle a fait, c'est pas qu'elle a vendu sa Ktouba à quelqu'un d'autre, mais qu'elle a été Mimashkenet à quelqu'un d'autre. Elle a donné en gage à quelqu'un d'autre. Genre, elle est partie voir quelqu'un qui prêtait de l'argent, elle lui a dit, écoute-moi, prête-moi tout de suite, j'ai besoin de 50 000, et je te mets en Mashkon, je te mets en gage sur le... Je te mets un droit de saisie sur ma Ktouba au cas où je te rembourse pas jusqu'à telle date. Donc elle était même Ashkenet, une part de sa Ktouba ou toute sa Ktouba de nouveau. Ou bien encore, Natna Ktoubata le Acher au Mixata. Elle a donné sa Ktouba à quelqu'un d'autre ou même une partie de sa Ktouba. Et bien dans tous ces cas de figure, c'est fini. L'Otim Kor est Asha et la Bébé Dina. Elle ne pourra plus vendre. Elle ne pourra vendre le reste. Elle ne vendra le reste que Bébé Dina, que en se concertant d'abord avant d'aller avec le Bébé Dina. Et comme nous dit le Bartenora, ça c'est Rabbi Shimon. Au Bébé Dina, Rabbi Shimoni. D'accord? Deuxième partie, et par contre, Chachamim, il pense que non. Mocheret yafilu arba v'chamisha pe'amim, elle pourra vendre même 4 et 5 fois si elle veut. Ou mocheret limzonot, elle pourra même continuer à vendre. Ah, excusez-moi, je suis parti trop vite. Mocheret yafilu arba v'chamisha pe'amim, elle pourra vendre même 4 et 5 fois. Encore en 4 parties, 5 parties, elle continue à avoir comme dit le Bartenora. Mais afilu lufrakim, elle peut vendre en partie, en morceaux, en tronçons. Et même mieux que ça, elle pourra même encore vendre pour récupérer la maisonnote chez le Ibda Maisonotea. Elle n'a pas encore perdu son droit de récupérer les maisonnotes, le fait d'être nourrie par les biens de son mari. Autre point qui est écrit dans la Mishnah, c'est à moitié lié à la phrase d'avant, mais aussi c'est aussi une halakha indépendante qui veut dire que chaque fois qu'une femme, elle vend des biens pour récupérer, pour se faire nourrir. Ça va même d'après Rabbi Shimon. Quand elle vend des biens, elle doit écrire que l'imzonot macharti, en précisant sur le contrat de vente,
qu'elle vend ce bien pour se faire nourrir des maisonnotes. C'est quel est l'intérêt de dire ça une seconde, ça m'échappe. Et les maisonnotes machantit et zain. Shelo yomro, sheiravatanit, shemacha, kulan les maisonnotes. C'est juste pour son. C'est une histoire de se blanchir que lorsqu'on va le dire, elle vend, lorsque les héritiers vont venir réclamer, ils vont dire mais on t'a déjà donné, on t'a déjà payé. Qu'elle dit non, pas du tout. Tout ce que j'ai vendu, c'était juste pour me faire nourrir. J'ai gardé toutes les reçus, quoi. D'accord ? Maintenant, à part ça, autre halakha. Ou Grusha, Lotimkor et la Bebetidin. Une divorcée, par contre, elle ne pourra vendre toujours que pour le Bedin. J'explique, c'est une halakha qui est essentiellement d'après Chachamim, pas d'après Rishimon. Parce que. On avait appris que la femme, la veuve, elle le vend sans se concerter avec le Bedin, mais directement en plein pouvoir. D'une part, parce qu'elle doit être nourrie et qu'il n'est pas question de la laisser avoir faim. Donc le mari l'a donné, a priori, quand il s'est marié avec elle, il a donné un plein pouvoir pour qu'il puisse vendre, pour qu'elle puisse vendre et se nourrir. Et même mieux que ça, même, selon Chachamim, même pour récupérer sa dot, sa ktouba, alors il lui a donné un plein pouvoir qu'elle puisse le vendre pour ne pas qu'elle ait besoin de s'humilier, de se rabaisser à partir au Beit Din. Ça, un homme, il se soucie du kavod de sa femme que lorsqu'il décède et qu'elle reste avec son kavod. Mais lorsqu'elle divorce, il n'a aucune pitié pour elle. Et de ce fait, un groucha, une femme divorcée, elle n'a aucun droit de vendre quoi que ce soit sans se concerter avec le Beit Din. Elle est obligée d'aller vendre avec, en se concertant avec le Beit Din parce qu'elle fait un droit de saisie et le mari, il n'a aucune pitié pour elle, donc elle doit forcément partir avec partir au Bedin pour pouvoir récupérer son argent. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.